La mémoire. Voilà une des nombreuses choses incroyables qui se passent dans nos têtes. C'est comme des milliers de capsules temporelles rangées dans notre cerveau. Et en ce moment, savoir que je peux accéder à mon passé, c'est important pour moi. C'est pour elle que je viens ici. Ça fait déjà un an qu'elle est partie. Et j'ai beau chercher, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où on s'est dit au revoir. Je dois retrouver ce souvenir. Bienvenue dans ma mémoire. Ici, chaque livre correspond à un de mes souvenirs. Ça fait 2 semaines que j'explore cette bibliothèque. J'ai commencé quand je me suis intéressée au fonctionnement de la mémoire. 2 semaines sans pouvoir mettre la main sur le souvenir que je cherche. Je suis allée presque partout. J'ai même découvert une pièce fermée à clé. Je crois que je commence à me dire que je le trouverai jamais. Mais bon, je continue d'explorer. J'ai d'abord appris qu'il y a 3 étapes dans le processus de mémorisation. L'encodage, qui est l'enregistrement des souvenirs, le stockage, qui les range et les consolide, et le rappel, qui permet de les retrouver. Au début, je pensais que tous nos souvenirs étaient rangés au même endroit. Mais non, en fait, il existe plusieurs types de mémoire. Ici, c'est la mémoire à court terme, celle qui nous sert dans le présent. On l'appelle aussi la mémoire de travail. On y trouve les souvenirs qui restent le moins longtemps dans notre cerveau. Comme quand vous retenez quelque chose avant de le noter. Et quand vous vous le répétez plusieurs fois dans votre tête, ça s'appelle une boucle phonologique. Cette mémoire, je l'ai découverte en 2e. C'est la mémoire sémantique. Celle qu'on développe depuis tout petit. Pour faire court, c'est la mémoire de nos connaissances. Ça peut être sur notre personnalité, sur des mots, des cartes, plein de choses que l'on sait sans savoir où on les a apprises. C'est comme le mot « livre », par exemple. Vous vous souvenez où vous l'avez appris? Vous voyez? Et cette mémoire se construit et se réorganise depuis le début, jusqu'à la fin de notre vie, en fonction de ce que l'on apprend. Voilà une des mémoires que j'ai pas encore totalement explorée. La mémoire procédurale. C'est grâce à elle que vous savez faire du vélo, marcher ou courir. C'est la mémoire qui nous permet de faire des choses automatiques et inconscientes, et c'est la mémoire la plus solide. Depuis que je suis ici, j'ai pas vu un seul livre tomber de cette étagère. Je crois que j'ai le temps de vous montrer un petit quelque chose.
suis sûre que ce bruit vient de la mémoire perceptive. J'ai pas trop exploré cet endroit. Je suis sûre pas y trouver ce que je cherche. C'est la mémoire des sens. C'est grâce à elle qu'on se souvient des odeurs, des bruits ou de ce qu'on a vu pendant notre vie. C'est comme la mémoire procédurale. Elle utilise l'inconscient et l'automatisme. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Il reste une mémoire que j'ai pas encore explorée. J'ai appris son existence aujourd'hui. La mémoire épisodique. C'est celle qui stocke les souvenirs marquants. Elle nous permet aussi de nous situer dans le temps et de nous projeter dans le futur. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces souvenirs peuvent se dissiper, voire s'effacer. C'est dans cette mémoire que j'ai le plus d'espoir de trouver ce que je cherche. Il faut que je remonte plus loin. Thank you.
J'ai déjà vu ça quelque part. Les souvenirs traumatiques. Je pensais pas en trouver ici. C'est des souvenirs mis sous scellé, des expériences douloureuses que notre cerveau préfère verrouiller. Il faut que ça reste dans ma tête. Je crois que j'ai passé trop de temps ici.